Hey, salut les amis, comment ça va? Ici Daclusia, ici pour une nouvelle vidéo de Spelunky. Où évidemment, j'ai pas bien... Ah, mais c'est pas vrai, je viens de commencer, je me suis déjà pris 2 points de dégâts. C'est assez horrible. Est-ce que je suis en train d'enregistrer? Parce que je trouve que le jeu va vachement vite. Et si ça veut dire que mon frappe c'est pas en train d'enregistrer, se mettra... Non, c'est bon, c'est en train d'enregistrer. Alors j'ai juste de la chance. J'ai juste de la chance, parce que pour je ne sais quelle raison, mon PC s'est dit qu'il allait me laisser avoir une bonne... Bon. Bah ça c'est réglé. Ça c'est réglé. Je me disais que ce run était en train d'aller très très mal pour le début. Dommage que j'ai pas réussi à faire tomber ça en bas. Je me disais que ce run commençait mal, et ben, comme quoi, la preuve. Ce piège m'a fait très très peur, ce squelette aussi. Là, est-ce que j'ai... Alors la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai moyen d'accéder à ce côté-là en passant par ici. En effet, j'ai moyen. Parce que j'aimerais pas rater des... J'aimerais ne pas rater de trésors si j'en ai l'occasion. Ouhou, superbe lancer, si je peux me permettre de me lancer des fleurs ainsi. Je sais que je le fais souvent dans ce let's play, mais je tiens aussi à vous rappeler que je suis également la première personne à me lancer des pics. Un parachute, c'est pas ce que j'aurais voulu avoir, mais il pourrait y avoir bien pire. En fait, non, je crois pas. Je crois que c'est le pire truc qu'on puisse choper là-dedans. Quoique, l'appareil photo doit pas être très très loin non plus derrière. Ah, j'étais trop concentré sur la chauve-souris et j'ai pas fait attention au serpent. Bon, c'est pas grave. Georges est là-dessous, et je ne sais pas si je vais avoir moyen de l'atteindre autrement. Donc je vais utiliser 2 bombes et une corde. Oui, non, j'avais aucun autre moyen d'atteindre Georges. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Que Georges c'est notre meilleur ami, on va tout faire pour pouvoir le ramener à la sortie sain et sauf. Dis-je alors que je lui donne un coup de fouet, c'est magnifique. Réfléchissons à ça une petite seconde. Si j'utilise mon petit Georges pour activer ce piège... Zut. Bon, et ben Georges, je suis désolé, mais... J'ai dû te sacrifier, parce que plutôt perdre un point de vie en ne te sauvant pas, que en perdre 2 en prenant la flèche pour te sauver. Hop là. Je suis quand même pas content de moi, parce que j'aurais pu résoudre tout ça bien mieux si j'avais pas raté mon lancer de crâne, qui était facile, mais à un point... Je vais aller récupérer ça. Je vais m'occuper de cette araignée tant que j'en ai encore l'occasion. Voilà. Donc, j'ai pas encore abordé ça, mais de toute façon, je pense pas que j'ai besoin de le rappeler. Notre objectif, comme toujours, va être d'atteindre la jungle. Potentiellement la zone d'après. Et potentiellement battre le jeu. Mais... Ah, ah, saleté de squelette de mes deux. Mais commençons étape par étape. Un boomerang, pourquoi pas. Est-ce que ce squelette va se ramener à la vie? Je sais pas, je préfère pas tenter le diable. Donc, commençons étape par étape. La première étant bien sûr d'atteindre le prochain monde. Je vais déposer Georges à la sortie et aller voir s'il y a quelque chose d'intéressant dans le magasin. Alors, il y a une boîte mystère, des chaussures à crampons, des lunettes et le candy ball. Rien de tout ça ne m'intéresse. Donc, je vais juste regarder s'il y a quelque chose dans cette poterie. En effet. Et passer... Ah, j'ai oublié le boomerang, je suis un idiot.
Je suis un idiot, mais regardons le bon côté des choses. On est au troisième niveau. J'ai 6 bombes. Peu de cordes, mais ça... Ah, il y a la grosse araignée là-bas. Et j'aimerais bien pouvoir aller récupérer la colle, mais est-ce que ça vaut le coup d'utiliser 2 bombes? De toute façon, la question ne se pose plus, étant donné que je suis déjà descendu en bas. J'adorerais pouvoir récupérer cette idole. Pour ça, je vais attendre de voir s'il y a un magasin. Ah, il y en a un. Et il est pile dans la trajectoire du truc. J'imagine donc que c'est hors de question. Tant pis, écoutez, tant pis. Je préfère jouer de manière intelligente et ne pas risquer stupidement de déclencher la fureur des vendeurs. Ouf, comment est-ce que je vais me sortir de cette situation-là? Ok. Ok. C'était plutôt réussi, ça, comme manœuvre. Je suis content de moi. Quelque chose là-dedans, oui. Une petite pépite, une grosse même pépite d'or. J'en suis assez content. Un pépite gratuit, je vais pas cracher dessus. Et il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre, du coup, je vais sortir. Je dois dire que je suis pas très content, même si on a réussi à atteindre le... Ah, le coffre, ok, d'accord, j'avais peur de l'avoir raté. Ça mène... Ok. Première chose, vous avez tous les deux là-dessous. Ensuite, il faut que j'arrête de me faire peur comme ça. Ensuite, je vais balancer une corde là-haut parce que je vais être obligé de remonter pour aller chercher le coffre. À moins que je me sois complètement trompé et que... Non, je suis bel et bien obligé de passer par là. Mais qu'est-ce que je pourrais utiliser? Ok, donc celui-là, c'est bel et bien celui que j'avais chopé tout à l'heure. Je pourrais utiliser l'autre scorpion, mais c'est une... C'est une manœuvre qui me semble un peu risquée. Balancer une poterie est beaucoup plus sûr. Et je vais être obligé d'utiliser une bombe parce que la clé est là-dessous. Ok. Au passage, ça nous permettra de récupérer un coffre de trésor. Donc, je suis pas trop. Je me sens pas trop mal de devoir faire ça. Après tout, si on a des bombes, c'est pour les utiliser. Voilà, l'œil est en notre possession. Je devrais pas aller risquer ma vie pour ce scorpion. Il est dans une position qui me pose un peu de problème. Ne pas prendre de risques inutiles. Ne pas prendre de risques inutiles. Et même si c'est un mode de jeu un peu chuchote, ça a porté ses fruits parce que je suis pas encore mort. Je suis pas encore mort et je suis même plutôt dans une bonne situation. Ok, non. Ne pas aller jouer avec l'homme des cavernes. C'est une mauvaise idée d'inclus. Ok, ça c'est bien aussi. J'imagine que ce piège a dû être activé, mais pour être sûr... Oui, c'est bon, il a été activé. Parfait. J'aimerais bien trouver mon petit Georges, et le voilà justement. Par contre, ça me terrifie un peu. Et voilà, on a atteint la jungle. Toi par contre, tu me tends une embuscade à peine je suis arrivé, ça va pas trop me plaire. Je pourrais aller chercher cette barre d'or, mais elle m'a l'air d'être un piège mortel. Je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas me casser le gueule ici. Georges est malheureusement hors de portée. Pas vraiment aller voir ce qu'il y a là-haut. Ici, je vais commencer par regarder ça.
Je pourrais aller sacrifier ce cadavre à l'hôtel de Kali. Non. Non, non, grenouille, ne sacrifie. Non. Et on venait de réussir à atteindre la jungle. Bon, c'est pas grave. Il y a du progrès néanmoins. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Faut pas du tout que j'aille prendre des risques là-bas. Donc, regardons le beau côté des choses, on a atteint la jungle. Même si je suis mort à cause d'un Kage Bullshit no Jutsu, c'est quand même du progrès par rapport aux épisodes où on réussit pas du tout à l'atteindre. Et maintenant que je prends mon temps à bien examiner la situation avant de courir comme un débile vers une mort certaine, j'ai l'impression que mes chances s'améliorent. Et j'ai la voix qui parle en plus. Mais ouais, le... Alors... Voilà, la bombe est pile au bon endroit. Ça va me permettre de récupérer Georges sans avoir à gâcher de corde. Je peux malheureusement pas accéder à d'autres parties de cette carte, c'est pas bien grave. 5 PV, j'ai utilisé qu'une seule bombe. Et en plus... non, j'ai 4 PV, j'ai dû me prendre des... Ah oui, le coffre qui m'a fait des dégâts pour je ne sais quelle raison. Bon, c'est pas grave. C'est pas un point de vie de dégâts qui va complètement gâcher nos chances sur ce run-là. Y a-t-il un hôtel et ou un magasin? Ça en a pas l'air. Donc... Je vais prendre le risque et déclencher ce piège pour récupérer Little. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a toujours rien. Ouf, il y avait un magasin ici qui, heureusement, n'a pas été... Idole, tu m'as trahi. Tu m'as trahi, je croyais que tu étais une source de bonheur et d'argent, mais en fait, tu n'étais qu'une source de désespoir. Pour la peine, je vais aller te vendre au magasinier en bas, et je viens de me mettre dans une situation où je vais être obligé d'utiliser une corde pour sortir. C'est pas grave, mieux vaut que ça que de m'être mis dans une situation où je pourrais mourir. Comme la dernière fois où j'ai malencontreusement réactivé le rocher après qu'il se soit arrêté, et que celui-ci... soit allé se... Ah, zut. Et que celui-ci... Hop là. Soit allé... En fait... Je serais bien tenté de ramasser ce fusil à pompe et de tuer le vendeur. Mais non. Je vais être raisonnable et simplement acheter un sac de bombes. Et je vais sortir... Ça aurait pas été une très bonne idée que de provoquer la colère du vendeur. Ok, et bah c'est parfait, j'ai un hôtel avec... Juste à côté de l'entrée, ça va me permettre... Ah zut! Zut, j'aurais pas dû récupérer les chaussures à crampons, parce que du coup je les ai tués en un coup, en leur sautant dessus. Et je voulais juste les assommer pour pouvoir les sacrifier, parce que des... Alors, j'imagine que ce piège a déjà été déclenché. En effet, c'est le cas. Magnifique. Oui, les cadavres valent beaucoup moins que si vous balancez des personnes assommées dessus. Ouh, pou. Et du coup, je pensais leur sauter dessus, les assommer et les sacrifier. Mais comme j'ai récupéré immédiatement les chaussures à crampons, et ben... je les ai tués directement. Les chaussures à crampons, si vous n'avez pas encore deviné leur effet, augmentent les dégâts que vous faites en sautant sur des ennemis. Hop là. Ça permet notamment de tuer en un coup pas mal d'ennemis. Des chaussures à crampons. C'est complètement inutile, ça. Hop là. Par
contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai le coffre sous les yeux, mais que je crois pas avoir vu la clé. J'ai même pas vu la clé du tout. Voilà. Là-bas, il ne me dérangera pas. Donc du coup, où est la clé? Est-ce que j'ai ne serait-ce que l'envie d'aller la chercher? Ça me coûterait bon nombre de mes ressources. Donc je pense que je vais juste dire non et continuer à avancer. De toute façon, ce run est plutôt mal parti, étant donné mon état de santé actuel. Oh non! Je me suis vu déraper sur la plateforme. Ah, c'était tellement douloureux. C'était tellement douloureux. Je crois que de toutes les morts qui peuvent arriver dans le jeu, c'est pas celle qui arrive sans qu'on comprenne pourquoi elle est pire. C'est celle qui arrive, que vous voyez arriver, mais que vous voyez arriver au ralenti parce que vous avez aucun moyen de les empêcher d'arriver. C'est assez horrible. Mais bon, ça va nous permettre de partir... sur un... Il n'y a absolument rien d'intéressant sur le côté de la carte. Je vais donc ne pas gâcher du temps et peut-être des points de vie en essayant d'y aller. Je vais en revanche aller récupérer ce coffre, enfin cette boîte, qui contient des bonbons magnifiques. Oh, il y en a une autre là-bas en plus. C'est magnifique, mais si je vais être capable de l'atteindre. Facilement même. Hop là. Par contre, je suis descendu un peu trop vite et j'ai peur d'avoir raté des... Oh, les chaussures Arceur. Bah ça, c'est un bon item qu'on peut choper dans une boîte. Hop là. Ça va peut-être m'empêcher d'avoir utilisé des... Oh, mais il y a encore une caisse là, mais c'est quoi tout ça? Le jeu est gentil. Je ne fais pas confiance à cette situation. Oh, mais une cape! Eh non, mais franchement, qu'est-ce qui se passe là? Depuis quand est-ce que ce jeu est devenu gentil avec moi? Ça cache des choses, ça! Ça cache des choses, je ne lui fais pas confiance à ce run. Enfin, je ne lui fais pas confiance, mais je vais quand même vendre mon âme et accepter de prendre cette cape. Parce que c'est un objet qui a le potentiel de faire réussir beaucoup de runs rien qu'à lui tout seul. Parce que la mobilité aérienne accrue et le fait de devenir pratiquement insensible, hein, disons les choses comme elles sont, aux dégâts de chute, permet de se tirer de beaucoup de situations dont on ne pourrait pas se tirer normalement. J'ai vu qu'il y avait un hôtel... Zut. J'ai paniqué et du coup j'ai pas pu esquiver ça, alors que c'était pourtant facile. Donc, il y a un hôtel ici. Si je trouve Georges... Je vais faire tout ce que je peux pour le ramener ici. Oui, je sais, quel horrible traitement je donne au meilleur ami de l'homme. Bah écoutez, hein, il sert à ça. Hop là. Hop là, hop là. Je ne vois rien de ce côté-là de la carte. Ah, je déteste le squelette. Je déteste les squelettes. Voilà la clé. Donc c'est bien, on l'a pas raté là-haut. Et vu ce à quoi ressemble la zone là-haut, je suis bien content que ça soit pas... Ah, mais Georges est là-haut. Ah, que faire, que faire? Que faire, que faire, que faire? Bon, déjà, je vais récupérer l'œil. Hein. Alors, quelque chose que je pourrais faire, c'est si je vais en bas là, et que... Ma question, c'est est-ce que je peux monter? Je peux pas monter assez haut. Donc, je vais acheter la colle, les deux bombes. Je peux malheureusement pas remonter là-haut à main nue, donc je vais devoir utiliser tout ça. Et normalement, maintenant que j'ai la colle, je devrais être capable d'atteindre la zone où se trouve Georges par le dessous. Alors, faut bien que... C'est mon truc, je crois que je l'ai mis un peu trop sur la gauche. Mais non, en fait, pas du tout. Parfait, Georges et un saphir. Maintenant, je vais devoir remonter tout là-haut pour aller sacrifier Georges. Ça devrait pas être bien difficile. En effet, c'est même très facile. Je vais quand même utiliser une corde au cas où. Hein, on n'est jamais trop prudent. Ouh, je t'avais pas repéré, toi.
Le gant de baseball. Le gant de baseball, oui, pourquoi pas, c'est pas trop mal ça. Cette amélioration augmente la portée à laquelle on peut lancer des objets, que ce soit des bombes ou n'importe quel truc pour ramasser. Ah, un niveau sombre. Ça fait longtemps que j'en avais pas croisé. Hein. Ok. Ces niveaux sont terrifiants, mais ils ont aussi le potentiel d'être excellents parce que... On peut trouver dedans des scarabées brillants qui valent chacun 5000 pièces d'or, si je ne m'abuse. Rien ne m'intéresse dans ce magasin, je vais donc passer mon chemin. Hop là. Je ne vois pas de scarabée pour l'instant, ce qui m'inquiète un peu. Enfin, ça ne m'inquiète pas vraiment, mais c'est juste que... Ça m'attriste, je pense, est une meilleure expression, parce que j'ai dépensé quand même pas mal d'or au dernier étage. Et récupérer de ces scarabées aurait été une bonne solution pour refaire un peu ma fortune. Ah non, 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 non. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Ok, je n'ai rien compris à ce qui vient de se passer. J'ai juste compris et entendu qu'il y a de la destruction partout. Suite. Ok, la situation est très problématique. Ouf, et vu le nombre d'araignées là-dessous, j'ai tendance à croire que le temple de Kali était par là. Ok, ça va, ça aurait pu plus mal se terminer. J'aimerais bien cependant trouver la sortie. Parce que me balader dans un de ces niveaux sans la torche m'effraie grandement. Ok. Où est la sortie, s'il vous plaît? Ah, là, là. Là, là, ok, ok. Bon. Ok, ça m'a fait peur ce passage-là. Je ne vous mentirai pas, ça m'a fait peur. Malheureusement, j'ai causé de la colère à Kali. Et ça, ça va être un problème. Il faut que je fasse très attention à surtout ne pas en détruire un autre. Ah non ! 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 Non. Voilà. C'est juste mon avis sur ce dernier run. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo, voire à vous abonner si c'est pas déjà fait pour être averti des suivantes. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien. Moi, je vais aller pleurer parce que deux vidéos d'affilée qui se terminent comme ça, c'est...